Salut YouTube. YouTube, aujourd'hui, on va au loup. Voilà. Il fait 14 degrés. On est gelé. Il a plu toute la nuit. Il a plu toute la matinée. Voilà, et j'ai dit à mon petit lapin Enzo, là, j'ai dit, tiens, et si on allait à la pêche à Enzo? Il a dit, ah, chouette, avec Anguille Spécheur, ah ouais. Oui, parce qu'à chaque fois que je le prends, en général, je fais pêche. C'est mon petit point de bonheur. Et vous l'aimez bien aussi, vous, mes abonnés. Vous l'aimez bien, le petit, là. Alors, je le prends avec moi, allez, hop. Comme ça, quand je serai vieux, bah, c'est lui qui me sortira, voilà. Allez, on va faire un peu de buzzing dans les temps déchaînés. 14 degrés, c'est tramontane. Bonne vidéo. Bonne vidéo. C'est déchet, la mer elle est agitée, hein. Agitée. La mer, l'étang. L'étang. L'étang était... Mais c'est ça qui est bon, hein. Ah oui, on va en faire une poisson là. Poisson. Poisson les enfants. C'est beau. Ah, il est beau. Ah non, il est... Ouais. Si, il est beau, il est beau, il est beau. Il est correct. Il est beau, il est beau. Allez, putain, il est beau. Je l'ai vu attaquer. Waouh, il est beau, il est beau. Enzo, montre-nous ça. Regardez-moi ça un peu. Mais c'est trop cool. Yes. Waouh. Enzo, mais arrête de faire des poissons, Enzo. On vient d'arriver sur le spot. Bravo, mon chéri. Merci. Bravo. Bravo. Alors, montre-moi ce leurre, parce que YouTube, ils aiment bien voir le leurre. Hop là, attends. C'est calme un petit peu, le petit loup. Hop là. Donc l'heure, tu connais pas le nom? Non, je connais pas le nom. Mais bon, c'est la couleur qui est intéressante, quoi. Ouais. On me l'a filé, coloris naturel. Voilà, montre-le bien devant la caméra. Voilà. Voilà. Ok, enfin c'est naturel fluo quand même. Hein. Naturel. Si, et si dans la nature t'as ça, voilà, allez, montre poisson. C'est un poisson qui fait quoi? 45 42, moi je dis. Ouais. Allez, bravo, mon chéri. Mesure ce petit poisson là. 40 cm. Ouais, 40. C'est bien. Regarde, 42, j'avais raison. Ouais, 40 et 2 mm. Voilà. Allez. Donc Enzo est avec un leurre vert fluo sans plomb. Et moi je suis un peu sous la surface, je ramène un petit peu moins vite avec un leurre plombé, avec un texan plombé à 2,5 g. Et donc deux techniques, voilà, quand il y a deux pêcheurs, on essaye de faire deux techniques de pêche différentes. Et quand le petit mettra 3 ou 4 touches dans la gueule, je changerai de leurre peut-être. Mais pour l'instant, il est tombé sur un poisson suicidaire. Donc pour l'instant, on reste sur vraiment deux techniques différentes. Donc là, on est vraiment au fond de l'étang, côté Sals. Il y a des petites cabanes. Je ne sais pas ce que c'est que ces petites cabanes, petites cabanes de pêcheurs. Il y a une petite île en face. C'est un coin que je ne connais pas du tout. Et on teste ça. De toute façon, les loups, ils sont un peu partout. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait des coins vraiment meilleurs que d'autres. Faut tomber dessus, voilà, faut tomber sur les poissons actifs, les poissons qui chassent. C'est gros. Là, je croyais que c'était toi. C'est un truc de fou. Entraîne. Attends, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que depuis tout à l'heure on pêche. On a rien. Depuis tout à l'heure on pêche. Merde. YouTube. Depuis tout à l'heure on pêche. On fait des dérives, on a rien. Là on traîne. Mais on traîne depuis 30 mètres. Ouais. Boum. Ouh, la carte. Il fait du surf, loup. C'est une dorade, non? Non, c'est un... Putain, il est gardable, hein. Allez, mesure-moi ça. Ouais, il est petit. Ouais, il est petit. C'est un petit bébé.
Il fait 35. On va à l'eau. Ouais, oui. Hop là, on décroche ça au MR Craft. Crazy. La traîne, t'as montré beaucoup d'efforts hein, pour la voir. Yes! Bravo! Alors, Ganguise, on est qu'à poids? Putain, j'arrive pas à faire un poisson! J'arrive pas à faire un putain de poisson aujourd'hui! C'est incroyable! Incroyable! Non, mais on a eu très peu de touches! Ouais, très peu. Parce qu'en fait, il a fait très froid cette nuit, il a beaucoup plu, l'eau froide, 13 degrés ce matin! Et bah, les poissons, ils sont plus là! Sur trois touches. Donc le petit chanceux là, il a volé un poisson à la traîne. Et puis il a fait quand même ce joute 42, c'est correct. Ouais, c'est correct. Sur les petits fonds, tu vois, sur les petits fonds d'un mètre. Bon, bravo. Merci. Et lui, il a arrêté de pêcher parce qu'il est fatigué. J'ai trop fait de poissons. Et moi, je me bats pour mettre capot. Je me bats. Depuis tout à l'heure, je me bats. On arrête la pêche dans une demi-heure là et je me bats comme un acharné pour pas être capot. Ouais. C'est mais pas je vais grave. Être capot, hein, je le sens, mais je vais me battre encore une petite demi-heure. Bon, courage. Allez Steph, fais-nous un beau poisson. Bon. YouTube, voilà, c'est la fin de la vidéo. Et Ganguise Pêcheur, il est... Capot, on est capot. Non, tu es capot. Je suis capot. Alors le petit, il a bien pêché. Il a fait donc un poisson à la traîne, hein. Ça c'est du vol. Hein. Et beaucoup de lignes en buzzing, à 42. Franchement, un bon poisson. Belle attaque. Il mérite la victoire. Il est bon ce petit. Il est très très bon. Alors, il voulait vous parler d'un truc, il m'a dit, est-ce que je peux mettre mon Instagram sur ta chaîne, sur tes vidéos? Eh ben oui, bien sûr, mon Kiki, ton Instagram, donc notez bien son Instagram, il va vous le donner. Donc ce petit bonhomme là, il met des belles photos de ses pêches et tout, il pêche très bien, hein. Allez, vas-y, Instagram. Ouais. Voilà, mon Instagram se nomme rossignol-fishing. Rossignol. Rossignol. Vas-y, redis. Alors, je poste beaucoup de photos de mes pêches. Voilà, des photos, voilà. Voilà. Alors moi je vais redire, je fais la pub pour moi, mais bon, Facebook, les amis de Ganguise Pêcheur sur Facebook. Voilà, c'est un petit groupe super sympa. Et vous pouvez me retrouver et poster aussi vos photos, vos pêches. On échange, on progresse ensemble. Voilà. YouTube, on vous dit au revoir, à très bientôt. À très bientôt. Abonnez-vous. Surtout abonnez-vous. Et le like aussi, hein. Bah, like. Bien sûr, ouais, attends, bah, évidemment le like. Bah, le like. Allez, bisous. Bisous YouTube. Je fais gaffe parce que dans les temps, il faut faire toujours très attention au fond. Des fois, on passe de 2 mètres à 50 cm. Allez, ciao.